Thank you for participating in today's technical briefing, which will provide an update on the label change authorization for Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Today, we will hear remarks from Dr. Supriya Sharma and Dr. Marc Bertion from Health Canada, followed by Dr. Howard New and Major General Danny Fortin from the Public Health Agency of Canada. They will be accompanied by Ariane Reza from Public Services and Procurement Canada. Following the remarks, we will open the teleconference line for questions from the media. Aujourd'hui, nous entendrons des allocutions des docteurs Supriya Sharma et Marc Bertion de Santé Canada, suivies des docteurs Howard New et du Major Général Danny Fortin de l'Agence de la Santé publique du Canada. Ils seront accompagnés par Mme Ariane Reza de Services publics et approvisionnement Canada. Suite à la présentation, nous répondrons à vos questions. If you wish to ask questions, please press star 1 on your phone. Si vous désirez poser une question, veuillez appuyer sur étoile 1. Procédons à la séance d'information technique. Let's begin today's technical briefing. Over to you, Dr. Sharma. Thank you very much, Eric, and good morning and afternoon to everyone. Bonjour à toutes et à tous. Thank you for joining us today. I'm here to talk to you about Health Canada's authorization permit Pfizer-BioNTech to change the product monograph and label for their COVID-19 vaccine to reflect that each vial contains 6 doses of vaccine rather than 5. As you're likely aware, Health Canada initially authorized the Pfizer-BioNTech vaccine on December 9th, 2020, with 5 doses per vial. This reflected the information and proposed labeling data submitted by the company at that time. I'd like to provide you with some information about today's authorization, as well as our work with the provinces to advise them of this change and to ensure healthcare professionals have the support and supplies they need to implement it. The authorization included changes to the product monograph and label for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine following an independent and thorough scientific review of the submitted information. In the review, it was determined that 6 full doses could be obtained reliably and consistently from each vaccine vial. Health Canada had previously been informed that it had been possible in some circumstances to obtain a 6th dose from each vial. However, in order to extract a 6th dose reliably and consistently, a specialized syringe should be used. A low dead volume syringe is designed to have a lower volume of liquid that stays in the hub of the syringe after the vaccine is administered. This minimizes the loss of vaccine volume per vaccination. With this label update, it's important to note the volume of vaccine in each vial has not been changed. Just like other international regulators, Health Canada requires that vaccine vials include a certain amount of overfill per vial to ensure that there is sufficient volume to extract the expected number of doses. Based on its assessment, Health Canada has determined that each vial will reliably contain 6 doses of vaccine plus sufficient overfill volume when proper technique is used. Other countries like the US and the EU have also implemented similar changes to allow for the use of 6 doses per vial. As part of the authorization, Health Canada has issued terms and conditions to Pfizer-BioNTech. They are required to provide continued educational support as needed to vaccine points of use in Canada to facilitate implementation of the 6 doses per vial label change. The company must provide information regarding low dead volume syringes and needles and the process for ensuring the accuracy for low dead space. They must work closely with Public Services and Procurement Canada to support them in the procurement process, if required, and support implementation with provinces and territories. And they must provide Health Canada with a quarterly report on product complaints so that we can know if administration sites have any issues with the extraction of the 6th dose. With this authorization, Pfizer-BioNTech is also required to inform Health Canada within 24 hours of each current site receiving their first shipment of supply with the new label change. As part of this product monograph label update, Health Canada has also updated the information about allergic reactions. While the product labeling already included clear warnings about the possibility of allergic reactions, it's now been updated to reflect that very rare severe allergic reactions, including anaphylaxis, have been reported during mass vaccination outside of clinical trials. A severe allergic reaction would usually occur within a few minutes to 1 hour after getting a dose, and Canadians can be assured that this new information does not change the benefit-risk profile of the product. We continue to recommend that people who are allergic to any of the ingredients of the authorized vaccines
or who experience an allergic reaction to a COVID vaccine not get the vaccine. People with concerns about any other types of allergies should consult their healthcare professional. The updated product monograph and supporting documents on both the labeling changes are available on our website at covid-vaccine.canada.ca. As this label change is being implemented, the Government of Canada is supporting provinces and territories by making a sufficient supply of low dead volume syringes available in time for the first doses of vaccine distributed with the new 6-dose labels. Major General Fortin will speak more to these details later. You can be reassured that the Government of Canada is doing everything it can to equip our healthcare professionals with the right tools to vaccinate Canadians. Vaccination continues to be a key element of our response to COVID-19, but we need you to remain vigilant and to continue to do your part, which means wearing a mask, washing your hands, and keeping your physical distance. Thank you. Merci. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'autorisation accordée par Santé Canada à Pfizer-BioNTech afin que l'entreprise modifie la monographie de produits et le libellé de l'étiquette du vaccin contre la COVID-19 pour indiquer que chaque flacon contient 6 doses de vaccin plutôt que 5. Comme vous le savez sûrement, Santé Canada a initialement autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech le 9 décembre 2020, dont chaque flacon contenait 5 doses. Cette autorisation reflétait l'information et les données d'étiquetage fournies à l'époque par l'entreprise. Je souhaite maintenant faire le point sur l'autorisation accordée aujourd'hui, ainsi que sur notre travail avec les provinces pour les aviser de cette modification et s'assurer que les professionnels de la santé disposent du soutien et des fournitures dont ils ont besoin pour mettre en œuvre ce changement. L'autorisation comprend les modifications apportées à la monographie de produits et au libellé de l'étiquette du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech à la suite d'un examen scientifique indépendant et exhaustif des renseignements fournis. Lors de l'examen, il a été déterminé que 6 doses complètes pouvaient être extraites de façon constante et fiable de chaque flacon de vaccin. Peu après le début de la campagne de vaccination en décembre, Santé Canada a appris qu'il était possible, dans certaines circonstances, d'extraire 6 doses de chaque flacon de vaccin de Pfizer-BioNTech. Toutefois, pour être en mesure d'extraire 6 doses de façon constante et fiable, une seringue spécialisée doit être utilisée. Une seringue à faible volume mort est conçue pour qu'une plus petite quantité de liquide demeure dans le tube de la seringue après que le vaccin a été administré. Cette façon de faire permet de minimiser la perte de volume du vaccin lors de chaque vaccination. Dans le cadre de cette modification, il est important de noter que le volume du vaccin dans chaque flacon demeure le même. Tout comme les autres organismes de réglementation internationaux, Santé Canada exige que les flacons de vaccin contiennent une certaine quantité de trop-plein par flacon pour s'assurer qu'un nombre suffisant puisse être extrait et un volume suffisant puisse être extrait ainsi que le nombre prévu de doses. En se fondant sur son évaluation, Santé Canada a déterminé que chaque flacon contiendra, de façon constante, 6 doses de vaccin en plus d'un volume de trop-plein suffisant lorsque la technique appropriée est utilisée. D'autres pays, comme les États-Unis et l'Union européenne, ont également mis en œuvre d'autres modifications similaires pour autoriser l'utilisation de 6 doses par flacon. Santé Canada a délivré à Pfizer-BioNTech une autorisation assortie de conditions. Pfizer-BioNTech a l'obligation d'offrir au point de vaccination du Canada un soutien continu pour faciliter la mise en œuvre de la modification du libellé de l'étiquetage du flacon, dont le nombre de doses est désormais établi à 6. L'entreprise doit fournir de l'information sur les seringues et aiguilles à faible volume mort et le processus employé pour s'assurer de l'exactitude du faible volume mort, travailler en collaboration étroite avec Services publics et Approvisionnement Canada pour l'appuyer dans le cadre du processus d'approvisionnement et, au besoin, appuyer la mise en œuvre dans les provinces. Et fournir à Santé Canada un rapport trimestriel sur les plaintes liées aux produits, afin que nous puissions savoir si les sites d'administration du vaccin ont rencontré des problèmes avec l'extraction d'une 6e dose. Au terme de cette autorisation, Pfizer-BioNTech doit également aviser Santé Canada dans un délai de 24 heures de la réception dans chaque site du premier envoi de fournitures nécessaires pour mettre en œuvre la modification. Dans le cadre de cette modification, du libellé de l'étiquette et de la monographie de produits,
Santé Canada a également mis à jour l'information sur les réactions allergiques. Même le libellé du produit de l'étiquette contient déjà des mises en garde claires sur de possibles réactions allergiques. Elle a été mise à jour afin d'indiquer que de très rares réactions allergiques graves, y compris l'anaphylaxie, ont été déclarées lors de la vaccination de masse à l'extérieur du cadre des essais cliniques. Une réaction allergique grave se produirait généralement de quelques minutes à une heure après l'administration d'une dose du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Les Canadiens peuvent être assurés que cette nouvelle information ne modifie pas le profil avantage-risque de ce produit. Santé Canada continue de recommander que les personnes allergiques à n'importe quel ingrédient des vaccins autorisés ou qui ont eu une réaction allergique à un vaccin contre la COVID-19 ne se fassent pas vacciner. Les personnes ayant des préoccupations au sujet de tout autre type d'allergie devraient consulter leur professionnel de la santé. La monographie de produits mise à jour et les documents connexes sur les modifications apportées au libellé de l'étiquette sont disponibles sur notre site web vaccin-covid.canada.ca. Pendant la mise en œuvre de cette modification, le gouvernement du Canada appuiera les provinces en s'assurant qu'un nombre suffisant de seringues à faible volume mort soit disponible à temps pour l'administration des premières doses du vaccin distribué avec un nouveau libellé de l'étiquette indiquant 6 doses. Le major général Fortin abordera le sujet plus en détail plus tard. Soyez assurés que le gouvernement du Canada fait tout en son pouvoir pour fournir à nos professionnels de la santé les bons outils pour vacciner les Canadiens. La vaccination continue d'être un élément clé de notre intervention pour lutter contre la COVID-19, mais nous vous encourageons à demeurer vigilants et à continuer à faire votre part, notamment en portant un masque, en vous lavant les mains et en respectant les règles de distanciation physique. Merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole au Dr. Nou de la Santé publique. Merci, Dr. Bertium, and thank you. Good morning to everyone. As Dr. Sharma noted, Health Canada has issued terms and conditions to Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech is required to provide continued educational support as needed to points of use in Canada to facilitate implementation of the label change. Furthermore, as part of the ongoing Emerging Issues webinar series for healthcare providers, the Public Health Agency of Canada will deliver a webinar addressing the change of Pfizer's label and the use of low dead volume syringes. The National Collaborating Center for Infectious Diseases is hosting the event, while the Public Health Agency of Canada is developing the materials and coordinating expert presenters. The English webinar will be held tomorrow, February 10th, and a session in French will follow on February the 12th. Later this month, a repeat webinar of the foundational information on COVID-19 vaccines in Canada will be delivered, and part of the training will be dedicated to the Pfizer-BioNTech label change and the use of low dead volume syringes. As vaccination across this country ramps up, and as the federal government, provinces, territories, Indigenous leaders, and healthcare professionals work together to ensure the successful implementation of this change, I ask that all Canadians continue to follow public health measures and the COVID-19 guidance of their local public health authorities. Thank you. Je vous remercie. Comme l'a constaté le Dr. Bertium, Santé Canada a délivré à Pfizer-BioNTech assorti de conditions. Pfizer-BioNTech a l'obligation d'offrir au point de vaccination du Canada un soutien continu devant faciliter la mise en œuvre découlant de la modification de l'étiquette du flacon, dont le nombre de doses est désormais établi à 6. De plus, dans le cadre de la série actuelle de webinaires « Questions émergentes destinées aux fournisseurs de soins », l'Agence de la santé publique du Canada assurera une webinaire sur la modification apportée au libellé de l'étiquette de Pfizer et sur l'utilisation des seringues à faible volume mort. Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses animera le séminaire et l'Agence de la santé publique du Canada se charge de concevoir les documents pertinents et d'organiser les participations des experts qui donneront des conférences. Le webinaire en anglais aura lieu demain, le 10 février. Une séance en français suivra le 12 février. Plus tard ce mois-ci, le webinaire à propos de l'information de base sur les vaccins contre la COVID-19 au Canada se tiendra à nouveau et une partie de la formation sera consacrée à la modification de l'étiquette de flacon de Pfizer-BioNTech et à l'utilisation des seringues à faible volume mort.
Alors que la vaccination au pays s'intensifie et que le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires, les dirigeants autochtones et les professionnels de la santé travaillent ensemble à garantir la bonne mise en œuvre de cette modification, je demande à tous les Canadiens de continuer à respecter les mesures sanitaires ainsi que les directives de leurs autorités sanitaires locales relativement à la COVID-19. Je vous remercie et maintenant je passe la parole au Major Général Danny Fortin. Well, thank you, Dr. New, and good morning, everyone. To date, we have distributed over 1.3 million vaccine doses to provinces and territories. With the authorization changed by Health Canada and labeling from 5 to 6 doses a vial, future quantities delivered of Pfizer-BioNTech will reflect this change. This distribution process will not change, and vaccines will continue to be allocated on the basis of an equitable allocation framework that has been agreed to by all jurisdictions moving forward. While there is a change in doses contained in each vial, the country's overall allotment from the manufacturer remains the same. The team here at the National Operations Center has worked with colleagues at Public Services Procurement Canada to ensure that necessary processes and equipment are in place in anticipation of the change in vaccines monograph. This allowed us to build understanding of the province's supplies in ancillary equipment. Supported by federal procurement, there is sufficient stock available to meet vaccine availability in the coming weeks. The appropriate syringes have already arrived in Canada in sufficient quantities and are being delivered to provinces and will continue into May 2021. We'll distribute 70,000 doses by the end of this week of Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech has indicated that it will be scaling up their production and shipments starting at the end of February, as previously mentioned. So with the change in product monograph, we expect to receive and distribute approximately 400,000 doses next week and 475 doses in the last week of February. Moderna continues to ship in a 3-week cycle. And last week, we received 180,000 doses. The vast majority of those are now distributed, and the rest will be distributed in the coming days. The final shipments of those will be in the most remote areas of the country. The next Moderna shipment is scheduled to arrive in the week of February 22nd. At this time, we're still working with the manufacturer to confirm the final numbers. And as soon as we have that, we'll distribute that to provinces and territories. So with Pfizer and Moderna, both continue to assure us of their intent to deliver 4 million and 2 million respectively by the end of March. We'll continue to share information as it becomes available with our provincial, territorial, and Indigenous partners to allow them to plan appropriately for the distribution and administration of those doses. So we're very much still set to see an increase in quantities at late in Q and in this quarter and into the second quarter of the year. We continue our planning efforts to have over 20 million of the approved vaccines into the April to June timeframe, and we expect even more as more vaccines become authorized and available for distribution. So providing vaccines to Canadians is truly a whole of nation effort. We're closely coordinating with provinces, territories, and all partners, and will continue to do so to ensure timely and efficient delivery of vaccines as supply ramp up in the coming weeks. Merci et bonjour à tous. À ce jour, nous avons distribué plus de 1,3 million de vaccins autorisés aux provinces et aux territoires. Le fait que Santé Canada autorise maintenant la modification de l'étiquette des flacons pour indiquer qu'ils contiennent 6 plutôt que 5 doses, les prochaines livraisons de Pfizer-BioNTech reflèteront ce changement. Toutefois, le processus de distribution ne changera pas et les vaccins continueront d'être attribués selon un cadre de distribution équitable qui a été accepté par toutes les administrations et les différentes juridictions.
Même s'il y a une modification quant au nombre de doses par flacon, la part globale allouée au pays par le fabricant reste la même. Ici, au Centre national des opérations pour les vaccins, nous avons travaillé avec nos collègues de Service public Approvisionnement Canada pour veiller à ce que les processus et l'équipement requis soient en place en prévision du changement à la monographie du vaccin. Cette collaboration nous a permis de mieux évaluer les réserves d'équipements auxiliaires des provinces. Et grâce aux achats fédéraux, nous avons maintenant suffisamment d'équipements en réserve pour effectuer une vaccination en fonction des doses de vaccins dont nous disposons au cours des prochaines semaines. Nous avons déjà reçu des seringues appropriées. Elles sont distribuées et nous continuerons d'en recevoir jusqu'en mai 2021. Alors, cette semaine, nous distribuerons 70 000 doses de vaccins Pfizer. Pfizer-BioNTech a indiqué qu'elle augmentera sa production, comme mentionné précédemment, et ses livraisons à partir de la fin février. Compte tenu du changement de la monographie du produit, nous attendons donc à recevoir et à distribuer près de 400 000 doses la semaine du 15 février et 475 000 doses la semaine suivante. Moderna continue ses livraisons sur un cycle de 3 semaines. La dernière livraison, la semaine dernière, nous avons reçu 180 000 doses. La plupart d'entre elles ont été distribuées. Les dernières seront distribuées au cours des prochains jours dans des zones plus éloignées. La prochaine livraison de Moderna est prévue pour la semaine du 22 février. Pour l'instant, nous continuons de collaborer avec le fabricant pour confirmer les quantités définitives. Pfizer et Moderna continuent de nous assurer qu'ils respecteront respectivement leur quantité de 4 millions et 2 millions d'ici la fin du mois de mars. Nous continuons de transmettre tout nouveau renseignement à nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones afin qu'ils puissent planifier adéquatement la distribution et l'administration des vaccins approuvés. Alors, le Canada devrait encore une fois voir une augmentation du nombre de doses vers la fin de ce trimestre et au début du deuxième trimestre. Nous poursuivons nos activités de planification, nous coordonnons étroitement avec les provinces et les territoires. Nous planifions recevoir près de 20 millions de doses des vaccins qui sont actuellement homologués au Canada entre avril et juin. De plus, nous prévoyons disposer d'encore plus de doses à mesure que d'autres vaccins seront homologués par Santé Canada et commenceront à être expédiés au Canada. Alors, la distribution de vaccins aux Canadiens est un véritable exercice national. C'est un travail d'équipe, comme j'ai mentionné précédemment. On travaille en étroite collaboration avec nos partenaires à tous les niveaux pour assurer une livraison rapide et efficace afin de veiller à ce que les Canadiens qui veulent être vaccinés puissent l'être le plus rapidement possible. Je vous remercie. Maintenant disposé à prendre vos questions. Merci beaucoup, Major General Fortin. We will now open the phone line to questions. Please identify yourself and include the media outlet you are representing. We'll be taking questions in both official languages. We ask that you limit yourself to one question and only one follow-up. Veuillez vous nommer et vous dire quel média vous représentez. Nous vous demandons de vous limiter à une question et une question de suivi. Vous pouvez poser vos questions dans l'une des deux langues officielles. Donc, nous procédons maintenant à la période de questions. Opérateur, à vous la parole. Merci, thank you. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. The first question is from Mia Rapson of the Canadian Press. Your line is open. Please go ahead. Yeah, good morning. I'm wondering, when it comes to these 6 doses versus 5 and delivery, you're saying now we're getting 400,000 doses next week. That doesn't mean we're getting any more vials, right? It means same number of vials, but the actual doses that it will contribute to our total will go up. And so ultimately, this doesn't actually change the amount of vaccine we're getting, since they could have taken that 6th dose anyway. I'm just trying to make sure that I'm understanding that all of that correctly. Yeah, it's General Fortin here. So you're correct. We're not receiving additional vials. We're starting to apply moving forward the change in the labeling to 6 doses, so that creates additional doses. What we are doing is ensuring that we have the right equipment, the right training at all levels, so that we can draw a maximum amount of doses out of every vial. So the specialized syringes are being shipped, as well as the training, as Dr. New mentioned earlier, will be made available in the coming days.
for vaccinators to be ready to administer. Okay, thank you for that. And I just wanted to maybe to switch gears briefly, Dr. Sharma, to AstraZeneca. There's been a lot of headlines about this particular vaccine in the last week. We've had South Africa say that they're canceling it because it doesn't work against the variant. The company itself has changed now to say, well, maybe 12 weeks is better for it instead of 4 weeks for the second dose. I'm just curious how that those kinds of things affect your decision, the regulatory process, and maybe for you or anyone else. I've also heard concerns that because of these things that are happening with the dosing and now with the variant, that people are more concerned about getting this and that there will be more hesitancy with AstraZeneca. And I'm just wondering how that affects the regulatory process and the decision about whether we approve it or not. Thanks. With respect to the AstraZeneca submission, it is still under review. There's some additional information that we're expecting to receive from the company today. But in terms of additional information that comes out, so whether it comes out from additional studies or on the variants or from other clinical trials, all of that is taken into account in the regulatory review. The goal, of course, is to make sure that that review is independent, it's science and evidence-based, and when we finally do have an authorization, that whatever information that we have on that label as part of the product monograph correctly reflects all of the science and the evidence. So, you know, it is a bit more of a complicated review. There were some differences in terms of the way that the trials were set up. We do have a study in the United States that's ongoing. There is some limited information in terms of the use of the vaccine in older people and people 65 years of age and older. Of course, so all of that takes place. We would only offer the vaccine if we have sufficient information to show that benefits outweigh the risk. All of the information, including dosage and all the other information needed to be able to use and administer the vaccine appropriately. Dr. New, maybe I can just add to the other part of your question, Mia, to Dr. Sharma's response. So yeah, the issue I would call in terms of enhancing Canadians' confidence in vaccines, as you noted, it's something we're always live to. We're always addressing and looking at multiple ways to make sure that Canadians have the right information so they can make an informed decision about whatever vaccine they would like to take. With respect to the AstraZeneca vaccine, we have our National Advisory Committee on Immunization, and certainly they're looking carefully once hopefully it is approved, that they'll also look at it in terms of giving us their best advice in terms of how best that particular vaccine could be used in a sort of in the context of our suite of vaccines along with the other two. And so with that, I think Canadians can be assured that the advice in terms of how best to use any given vaccine will be taken in the context of our whole suite of vaccines. Thank you. Thank you, Dr. New. Operator, next question. Thank you, merci. La prochaine question est de Hélène Buzetti, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Fortin. J'aimerais juste bâtir sur la question de ma collègue précédemment. Vous nous parlez des livraisons. Pouvez-vous nous traduire ça en nombre de fioles? Donc, combien de fioles étions-nous supposés de recevoir? Ça devait donner combien de doses? Et maintenant, combien de doses additionnelles pense-t-on obtenir avec le même nombre de fioles? Et quelle garantie a-t-on que les provinces seront vraiment capables d'aller chercher cette sixième dose et que, dans le fond, Pfizer ne se retrouvera pas à nous livrer moins de doses que prévu? Bon, alors, jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé de nombre de doses. On a, pour éviter confusion, on n'a pas parlé de la façon dont les fioles sont emballées, mais je peux vous dire que c'est en paquet de 195 fioles. Ces paquets de 195 fioles-là qui ont maintenant, à partir de maintenant, auront 6 doses, c'est 1170 doses par paquet. Alors, ça, c'est la première réponse à votre question. La compagnie continue de nous assurer qu'on va atteindre 4 millions d'ici la fin mars.
en fait, les chiffres, les projections qu'on a, comme vous pouvez voir par les chiffres que j'ai partagés avec vous sur février, au-delà de 400, 475 fin février. En mars, ça regarde très bien également. Alors, on est aligné pour atteindre la cible de 4 millions de doses. Je suis confiant, selon l'information que Pfizer nous dit, selon les discussions qu'on a, qu'on va atteindre cet objectif. Mais ma question, ce n'était pas vraiment ça. C'est que Pfizer dit toujours, nous, notre contrat, c'est en nombre de doses, pas en nombre de fioles. Les provinces ne sont pas certaines d'être capables d'aller chercher systématiquement cette sixième dose. Alors, quand Pfizer vous dit, oui, on va encore avoir 4 millions de doses d'ici le 31 mars, c'est en prenant pour acquis qu'on obtient cette sixième dose. Si on n'est pas capable de la tirer, est-ce que donc on ne va pas se retrouver avec un genre de 3,5 millions, 3,2 millions de doses dans les faits? Je pense que je peux donner une réponse partielle. Puis demander à mon collègue Dr. Nu de compléter. Mais ce qui est certain, c'est que plusieurs juridictions ont été en mesure de prendre jusqu'à 6 doses à présent avec l'équipement dont ils disposaient et les techniques utilisées. Maintenant, on va avoir davantage de seringues plus spécialisées et c'est ce qui est recommandé d'utiliser pour tirer le maximum de chaque fiole. Également, l'entraînement qui sera fourni pour nous assurer que les vaccinateurs à tous les niveaux ont tous les outils qu'on peut leur donner pour pouvoir optimiser la quantité de vaccins qu'on peut puiser de chaque fiole. Et puis, il y a des mécanismes en place pour assurer un suivi avec le manufacturier sur les quantités qu'on peut puiser. Je peux peut-être ajouter, Madame, ici c'est le Dr. Marc Bertium de Santé Canada. On est confiant qu'avec l'utilisation matériel approprié, c'est-à-dire les seringues à faible espace mort, qu'il va être possible de retirer de façon systématique 6 doses de chaque fiole. Ce qui avait été observé précédemment, comme il y avait une variation au niveau des fois, peut-être une technique qui n'était pas optimale, puis une utilisation d'équipements variés, l'obtention de 6 doses était plus aléatoire, mais maintenant, avec une formation, avec une clarté au niveau des équipements utilisés, avec des vidéos, avec des documents de référence pour les professionnels de la santé qui vont être distribués aux provinces, on est confiant qu'il va y avoir une obtention de 6 doses de façon systématique avec chaque vial de vaccin. Thank you, Dr. Bertion. We'll move over to the next question. Operator. Thank you. Merci. The next question is from Hannah Thibodeau from CBC National News. Your line is open. Please go ahead. Hi there. Thank you for taking our questions. On the update on the label change, both Saskatchewan and Alberta say they can only get a sixth dose, even with the right syringe, about 75% to 80% of the time. That seems we're agreeing essentially to get fewer doses. That sixth dose appears to be a hit and miss. Yes, so to our knowledge, most provinces did not have the appropriate syringe that we're now distributing this week and moving forward. So that will increase the possibility of drawing the sixth dose. And just to add to that, Denny, that it's not just one syringe. So there are syringes that are low dead space. There are needles that are low dead space. And so what the company has come in and has demonstrated through their studies is that if you're using those syringes reliably, using the technique, the good techniques in terms of drawing up the dose and administering them, that you should be able to get that sixth dose reliably. We have heard anecdotally that in some cases people are able to extract a seventh dose as well, but certainly reliably you should be able to get that sixth dose. Now, one of the requirements of the terms and conditions on the company is that they do work with provinces and territories to get any complaints. So as we roll this out with the new labels and the new syringes,
with the training. If there are any difficulties and people are not reliably able to extract those six dose, those complaints and those reports will come in and they will be required to be reporting those to Health Canada. So we'll continue to monitor it. But based on the studies that we've seen so far, and again, the company did the assessment with about 9 different combinations of syringes and needles. And in all cases, they were able to extract that six dose. Hypothetically, Go ahead, you're with your follow-up. Oh, thank you. So hypothetically, if a province continues to have these problems or a certain facility and they can only extract 5 doses, will the company give that 6 dose? Will it replace that dose if you can't get the full 6 doses out of that? Is that a part of the agreement as well? Yeah, it's General Fortin. I would have to defer to Ms. Reza from TSBC on the parameters of the contract per se. Hi there, it's Ariane Reza. To confirm that once the regulatory change comes into effect, you know, if the label says that they can get 6 doses, that is then the how we actualize that into the contract in terms of managing the change. We bought doses. So we will continue to work with the Public Health Agency and by extension the provinces and territories to monitor the situation and to see what the status looks like at that point. Thank you very much. Operator, next question. Prochaine question. Merci. La prochaine question est de Madeleine Blais-Morin de Radio-Canada. La parole est à vous. Oui, bonjour. Si je comprends bien la décision réglementaire là, des 6 doses par fiole entre en vigueur maintenant, et si je comprends bien aussi, on distribue ces seringues plus performantes cette semaine. Donc, est-ce qu'on, entre-temps, là, on risque de payer pour des doses qu'on sera incapable d'extraire? À quel moment sentez-vous qu'on sera véritablement capable de façon systématique d'extraire 6 doses par fiole? Et est-ce qu'il est possible qu'on paye pour des fioles, pour des doses, pardon, qu'on sera incapable d'extraire là, dans les prochains jours? Oui, alors c'est Général Fortin. Je peux vous dire que les doses de Pfizer qu'on est en train de distribuer cette semaine sont calculées avec l'étiquette qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, 5 doses par fiole. L'équipement est en train d'être distribué aujourd'hui et au cours des prochains jours. L'entraînement est mis en ligne. Il y a des webinaires demain. Alors, tout sera en place pour les prochaines livraisons à partir du 15, la semaine du 15 février, avec des quantités suffisantes d'équipement et puis des doses qui seront maintenant, pardon, des fioles qui seront maintenant libellées avec 6 doses par fiole. J'ai maintenant une question un peu technique. Là, si on parle en termes de millilitres, quel calcul on faisait pour 5 doses et quel calcul on fait maintenant pour 6 doses? Par exemple, combien de millilitres par dose? Combien de millilitres perdus? Combien de surplus? Est-ce que vous pourriez me guider ces détails-là? Certainement, c'est Dr. Bertium de Santé Canada. Donc, le vaccin de Pfizer est composé d'un flacon avec une solution de 0,45 ml. Auquel on rajoute 1,8 ml d'une solution saline pour injection, ce qui donne un total de 2,25 ml. De ce flacon-là, on doit extraire 6 doses de 0,3 ml, soit 1,8 ml, ce qui donne donc un résidu de 0,45 ml dans le flacon. Évidemment, il y a toujours une perte qui peut se faire au niveau des parois des flacons et il y a une perte qui se fait à l'intérieur des seringues, d'où l'utilisation des seringues à faible espace mort. On calcule qu'une seringue à faible espace mort va environ garder dans la seringue 0,035 ml. Donc, pour faire des calculs rapides, là, dans le fond, il va y avoir 0,2 ml qui va être perdu dans les seringues, mais il reste quand même 0,45 ml dans le flacon. Fait que si tout va bien, il y a quand même comme un coussin de 0,25 ml dans le flacon pour s'assurer, dans le fond, qu'il y ait quand même un petit résidu.
C'est sûr, la technique doit être optimale. Lorsque le vaccin est retiré des flacons, on doit s'assurer de, si on ressort un peu de solution du vaccin, de le faire à l'intérieur du flacon pour ne pas perdre absolument aucune quantité de vaccin. Puis c'est dans le fond ces détails-là au niveau des formations qui vont être mis en ligne et expliqués aux professionnels de la santé. Mais si tout est fait de façon optimale avec les équipements appropriés, il reste quand même un peu de résidu dans le flacon qui va permettre là, de façon systématique d'obtenir les 6 doses. Merci, Dr. Bertium. Operator, next question. Thank you. The next question is from Tonda McCharles of the Toronto Star. Please go ahead. Hi, thanks for taking our questions. I hate to go through all the math and numbers. I'm bilingual, but the numbers kill me. So I wonder if, because you've done a lot of the specifics on doses per vial and that, could you run through those numbers? In other words, the answer you gave to Zeddy, because I want to make sure I've got it right, and the answer just then to Madeleine on the actual numbers or rather product per vial. Can you just walk me through that? I don't know who's best to do that in English for me, please. Mark, it's Howard. I'm happy for you to do it again. I could do it in English. you're perfectly bilingual. Yeah, so I don't have to wait too much later. Yeah, if you could just be very specific on those numbers. In other words, I've asked my question. Supriya, do you want to do it or do you want me to repeat it in English? Given that it would probably be easier for you to go through those exact numbers, maybe you can do it in English. Okay, so the question is about what's the quantity in the vials. So the Pfizer-BioNTech vaccine is a diluted solution of 0.45 ml, to which is added a solution of 1.8 ml of normal saline for injection, which gives a total of 2.25 ml, of which we have to extract 6.3 ml doses, which gives a total of 1.8 millimeters, which leaves as a buffer or as a surplus 0.45 ml. One can assume that a low dead volume syringe will keep up to 0.035 ml within the syringe, which is much lower than standard syringes. If you add that, it gets to a total of a bit less than 0.2 ml. So back to the calculation. So if once you've taken the amount of doses, you have a buffer cushion of 0.45 ml, 0.2 ml, which would be left in the syringes. So there's still an additional amount of solution of approximately 0.25 ml, which enables us to say confidently that the ability to draw 6 doses from the Pfizer vials with the appropriate equipment is well established. I also asked, I'll move on to my second question, but I also asked you to give me the numbers, and I think it was the Ellen Buzetti's question, General Fortin, on the vials. You went through a few numbers there. But my second question to Dr. Sharma, you listed a number of issues that have come forward in terms of AstraZeneca. And I wonder, I guess my question is around the timeline for your approval. It seems to keep getting pushed out, and obviously more information is emerging. So I'm just wondering, are those other issues or things of concern to you? In other words, has it slowed down your approval as you see it playing out in real time in other countries? Or, you know, I'm just trying to understand your timeline, and if this is, as you're getting more information, you're actually extending the time you need to review the AstraZeneca proposal. Thanks for the opportunity to clarify. So to say that with the AstraZeneca submission, we did do this review in collaboration with the European Medicines
agency. We are in the final stages of that review. There's often a bit of back and forth with the company to finalize the terms of the labeling and the information on the label. And that's what we're in the process of doing right now. So as we're getting new information, certainly we're incorporating it into that review, but that hasn't extended our timelines. We're just taking that information. And for example, if there's time when we're waiting for the company to get back to us, we're using that time to look at any new additional information that's come through. So we're not extending the overall time as, you know, as it would be, even if that information did not come to us, but it does take some time, as we said, to go back and forth sometimes with the company at the end before we finalize a review. Thank you. We have now time for two more questions. I'll put our next question. Merci. La prochaine question est de Lina Dib, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, merci. Ma question est à vous, M. Fortin, à propos de ces des seringues. D'abord, vous avez dit que Pfizer calculait 5 doses par fiole jusqu'à maintenant. Il me semble que ce qu'on avait compris, c'est que pour arriver à leurs 4 millions de doses, Pfizer ont commencé à calculer 6 doses par fiole quand ils ont promis de continuer à faire les livraisons et que si jamais on ne leur donnait pas la sixième dose dans les règles de Santé Canada, ben ils reverraient les choses. Alors, pouvez-vous éclaircir ça, s'il vous plaît? Et parce que vous avez dit, on a calculé jusqu'à cette semaine 5 doses par fiole. Et pour ce qui est des seringues, il semble qu'on est très dépendant de l'arrivée de ces seringues-là. Alors, pour pouvoir obtenir les 6 doses, alors pouvez-vous nous dire combien de seringues on a? Je sais qu'on en a acheté 60 millions, mais combien on en a en ce moment que vous pouvez distribuer aux provinces? Avez-vous comme des quantités pour cette semaine, pour la semaine suivante, etc.? Bon, alors, premièrement, sur les doses, comme mentionné précédemment, jusqu'à un changement de la monographie du produit par ou une approbation par Santé Canada, on calculait avec 5 doses. La compagnie Pfizer BioNTech calculait aussi avec 5 doses. Et ça inclut, bien entendu, la livraison qui est en cours cette semaine. À partir d'aujourd'hui, donc, la prochaine livraison de vaccins qui va partir de l'Europe, ce sera calculé avec 6 doses. Et on est en bonne voie pour avoir 4 millions de doses totales au premier trimestre. Bien entendu, on n'a pas un mur à la fin de mars. On continue en avril et on s'attend d'avoir une augmentation considérable au cours des prochains mois. Et en avril, on s'attend d'avoir une livraison totale des deux vaccins présentement approuvés au-delà de 20 millions, comme j'ai mentionné précédemment. Maintenant, pour ce qui est de votre question des seringues, au cours des derniers mois, on a poussé des millions d'items aux provinces et territoires, des millions d'items, que ce soit des tampons alcoolisés, que ce soit des seringues de différents types. On a poussé des congélateurs et on continue d'ajuster les stocks pour une distribution et des programmes d'immunisation les plus efficaces possibles. Alors, le Approvisionnement Canada a commandé des millions de seringues. On anticipait un besoin pour ce type de seringues il y a quelques temps. On a commencé à livrer des millions de seringues cette semaine. Et puis, on va continuer de distribuer au cours des prochaines semaines. Les points de chute, les quantités exactes, ce sont des informations qu'on préfère ne pas divulguer trop ouvertement, comme l'endroit exact de livraison des vaccins, pour des raisons de sécurité, pour assurer la viabilité de nos programmes d'immunisation. Question suivie? À quelle vitesse vous allez les recevoir et les distribuer, là, je ne comprends pas tout à fait. Et est-ce que quelqu'un a fait le calcul de on devait recevoir, d'après le contrat initial, tant de paquets, parce que vous avez parlé de 195 fioles par paquet, tant de paquets de Pfizer, et maintenant on va recevoir tant de paquets de Pfizer. Est-ce que quelqu'un a fait ce calcul-là, a fait ces maths-là?
Bonjour, peut-être je peux répondre à cette question seulement pour confirmer que le contrat parle de dose. Alors, on n'a pas parlé pour faire le calcul de combien de paquets. On s'attend toujours que d'ici la fin de mars, on va recevoir 4 millions de doses. Alors, le contrat parle de doses. Merci. Parfait, merci. On va prendre maintenant la dernière question. Last question, operator. Merci, thank you. And our last question is from Marika Walsh of the Globe and Mail. Your line is open. Please go ahead. Good morning. Thanks so much for taking my question. Ms. Reza, I'd like to follow up on Hannah's question to you. Can you just very specifically say, we've seen, for example, in the U.S. that Pfizer has agreed to some sort of in-between deal where until all the syringes are in place, it will sometimes acknowledge 5 doses per vial. Can you very clearly say if that is happening here? Are we now 100% all the time counting 6 doses per vial, or is it contingent on the experience on the ground for those healthcare providers? Thank you for the question. I think as Dr. Sharma and Dr. Bertium indicated, the change in label has terms and conditions that the regulator has put in place. So we will continue to work with the regulator as they monitor with the public health agency in the provinces and territories to see the use of the doses and the consistent capacity of the provinces and territories to draw the 6th dose. Over and above that, as I indicated earlier, we will continue to work with Pfizer in terms of the monitoring and reporting on that to ensure that the transition is smooth. Thank you. Thank you. Follow-up? Okay. That didn't really very clearly answer my question, but I have to ask Mr. Fortin, Major General, can you just last week you said that the low dead space syringes would be going out to the provinces as of February 15th. So can you confirm that the dose change takes effect next week as the syringes go out? Like, can you just explain that, how those two timings work together? Yes, certainly. So the dose change is effective with the next shipment, so the week of February 15th. As for the shipping of syringes, we received shipments that were tested and they are now being sent. So we were able to accelerate the shipment to provinces. So I would expect that by next week, when the next shipment of Pfizer product arrives, the provinces have on hand the appropriate tools, the appropriate syringe, and training are available and they will now be in a position to extract 6 doses much more efficiently. Thank you, Major General Forte. That will be all for today's technical briefing. Please note our regular Tuesday media update will be at noon tonight, Eastern Time. C'est ce qui met fin à notre briefage technique pour ce matin. Veuillez noter que notre mise à jour média habituelle aura lieu à midi aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Have a good day.